Bonjour. Bonjour. Pardon, c'est un peu fort. Oui, aujourd'hui, on va vous parler de la. Bonjour. Aujourd'hui, on va vous parler du film, d'un film de René Ferré, de l'année 2010, qui s'intitule Nannerl, la sœur de Mozart. C'est un film de René Ferré, comme on l'a déjà dit, qui parle de la sœur, qui parle de la sœur de Mozart. J'ai été très touché par ce film, déjà parce que les acteurs sont merveilleux. Ils ont une grande qualité de jeu. Notamment Océane Hubert qui est très bien dans ce film, qui a un petit rôle mais très 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 bien joué comme rôle. Et c'est les il y a deux rôles, c'est Nannerl et c'est Louise de France. Louise de France qui est la fille du roi, qui est dans un couvent. Et Nannerl, la sœur de Mozart, et Louise, elles sont amies et elles sont jouées. Elles sont jouées par les filles de René Ferré, qui est le réalisateur du film. Elles sont super belles, elles sont super bien, elles jouent trop bien. Tout le monde joue très bien, c'est bien. Tous les dialogues sont très très bien, j'aime beaucoup comment ils sont écrits. C'est des petites phrases et c'est très bien écrit. Et j'aime bien le film. Mozart, il a Wolfgang, il a trop une sale tête, une tête de fripon. Léopold Mozart, c'est un salaud. Enfin, dans le film, peut-être, il a une tête, ça va, il a l'air gentil, mais dans la réalité, c'est un salaud. Enfin, on s'en rend compte quand même dans le film, quelque part, mais oui, ce qui est intéressant, oui, dans le film, c'est qu'il y a une. C'est absolument tragique ce qui se passe, c'est d'une violence inouïe, et en même temps c'est montré de façon très gentille quelque part. On voit à quel point dans toute l'histoire, on a complètement détruit les femmes, et que tout le monde est dans une prison, une prison immonde. En particulier les femmes, où elles ne peuvent. Enfin, il n'y a aucune émancipation possible, quoi. Enfin, on peut essayer de s'émanciper un peu, mais on se retrouve tout de suite face à une sorte de vide, de violence et d'isolation, et qui fait qu'on retourne, comme Nanner, la bulle, l'espèce de bulle protectrice qui est aussi une prison paternaliste. Donc c'est bien. Voilà, on voit à quel point, oui, il y a une destruction systémique, quoi, des ambitions des femmes dans toute l'histoire, enfin, des ambitions créatrices, des ambitions même sentimentales et tout. On voit à quel point on les maintient dans une position de dominé, et c'est absolument infernal. Et Léopold de Mozart, c'est une saloperie, et quelque part il y a quelque chose de bien. C'est pas tellement dit dans le film, mais même Wolfgang Mozart, il s'est révolté contre son père. Il a dit c'est pas bien. c'est pas dans le film, ça. Il a dit à Nannerl, plus tard, elle est tombée amoureuse d'un homme avec qui elle voulait se marier. Léopold, il a dit non, non, c'est pas, tu te maries pas avec ça. Et Wolfgang, il a dit mais si, tu devrais faire ça. Mais Nannerl, c'était mort, là, elle avait pu. Elle a dit non, bah si papa veut pas, je suis dévouée à mon père et à sa volonté. Elle a suivi sa volonté jusqu'à la fin de sa vie. Et elle a compilé. Elle s'est mise au service aussi de compiler les compositions de Wolfgang Amadeus Mozart. Et voilà ce que c'est d'être
La sœur de Mozart, ou la sœur de qui que ce soit, ou une femme, ou un faible dans la vie. Et donc voilà, c'est un film, un très beau film, que je vous recommande de voir. Voilà, vous pouvez le voir, vous pouvez le télécharger. Les habits sont très très beaux, ils sont super bien habillés, les gens. La musique est bien, elle a été composée spécialement pour le film parce qu'il n'y a aucune composition de Nannerl qui survit. S'il y en a eu, probablement. Voilà, donc si vous aimez la domination masculine, si vous aimez Mozart, si vous aimez aller aux toilettes et vous faire caca dessus. Ah oui, le film commence par la maman Mozart qui fait pipi, je crois. Si vous aimez ces choses-là, ce film est pour vous. Allez, allez-y, allez au Cinoche, payez pas les places, rentrez dans l'illégalité. Voilà, salut.